l'ISU-152 était un canon automoteur de l'URSS de la Seconde Guerre mondiale. Variant du SU-152, il était monté sur un châssis de l'IS-2, avec pour résultat une amélioration de son blindage. Il fut également utilisé comme chasseur de chars. Son rôle était d'appuyer à distance les troupes partant à l'assaut. Il devait réduire au silence toutes les formes de retranchement ennemies comme les bunkers ou les points d'appui. La puissance de l'obus explosif de près de 40 kg de son canon ML-20 de 152 mm en faisait un redoutable blindé. En cas de rencontre avec un char ennemi, un seul tir suffit à mettre hors de combat la cible, car l'onde de choc résultant de l'impact aurait eu tôt fait d'assommer l'équipage, bien que son obus perforant n'ait qu'une faible valeur de pénétration. Construit entre 1943 et 1947, avec environ 4600 unités produites. L'ISU-152 était doté d'une arme plus moderne, le canon obusier ML-20S, très efficace, notamment dans les assauts rapprochés pratiqués couramment par l'armée rouge. L'obusier était protégé par un coffre blindé fait de plaques inclinées d'une épaisseur maximale de 75 mm. Des poignées fixées sur le pourtour de la superstructure permettaient à des fantassins d'utiliser les véhicules pour se faire transporter vers les zones de combat. Le principal point faible résidait dans sa cadence de tir et sa faible capacité en munitions. En effet, il avait une capacité de 20 obus, principalement 13 obus explosifs et 7 de type perforant. Ces derniers leur étaient fournis sur le champ de bataille par des véhicules blindés porte-munitions. Il fallait environ 40 minutes pour suppléer au réarmement, chaque obus pesant environ 40 kg. En cas de perturbation dans la caisse de rapprovisionnement ou en cas d'assaut plus long, voire plus sévère qu'envisagé, le ISU-152 pouvait se retrouver à court de munitions et de ce fait devenir vulnérable. Bon nombre de cas rapportés attestent que les obus ne pénétraient pas complètement les blindages des Tigres. D'autres cas attestent également que si le coup au but était bien positionné, la tourelle du Panzer IV pouvait voler en éclats.
unique prototype de l'ISU-152-2 développé en 1944 en vue d'augmenter la puissance de feu de l'ISU-152, nommé ISU-152-BM. Sa désignation d'usine et objet 246 dans la désignation de BM est traduit littéralement par grande puissance. L'objectif principal de l'ISU-152-BM était de combattre les derniers chasseurs de chars lourds du Troisième Reich, à savoir les éléphants et les Jagdtiger. Cette version est armée d'un canon long de 152,4 mm de diamètre. Août 1944, le canon BL-8 est remplacé par la version améliorée, le BL-10 de 152,4 mm, légèrement moins long. Ce nouveau véhicule mieux armé prend le nom alors de l'ISU-152-2. La production du canon automoteur doté de l'obusier de 152 mm sur châssis DS2 ne suivant pas la demande, le bureau du SKB2 de Tchelabinsk étudie une variante munie de la pièce de 122 mm. Le développement de l'objet 242 ou IS-122 se fait donc en parallèle avec la version équipée du 152 mm. Une intégration facilitée par les composants identiques que les deux armes se partagent, comme l'affût ou la culasse. Son installation dans la casemate fixe limite son débattement de 11 degrés à gauche et à droite. Le ISU-122 fut utilisé sur le front de l'Est entre 1944 et 1945, à la fois dans un premier temps comme canon automoteur et puis comme chasseur de chars. Son canon de 122 mm peut en effet arracher une tourelle de char par le seul souffle de l'explosion, mettant ainsi hors de combat les blindés rencontrés lors de son avancée. Certains des chars étaient dotés d'une mitrailleuse antiaérienne
de 12,7 mm. En 1945, la version 122S dispose d'un canon de 122 mm équipé d'un frein de bouche. En 1944, l'ISU-122 reçoit un nouveau canon long de 122 mm de diamètre, modèle D25S ou D5T, plus moderne, de 43 calibres. Construite à 1400 exemplaires, cette monture prend la désignation officielle de ISU-122S. L'apparition d'un frein de bouche différent des deux véhicules. Ce 122 mm est monté sur une rotule qui améliore le débattement, tout en conférant une protection accrue. Par ailleurs, grâce à sa culasse semi-automatique, la cadence de tir atteint désormais les 2 à 3 coups par minute, contre 1,5 auparavant. En revanche, les performances balistiques ne progressent pas, avec toujours 108 mm d'acier transpercé à 1000 mètres sous une incidence de 30 degrés.